Salut à tous et bienvenue sur Apple Games. On se retrouve encore une fois pour une énième vidéo d'une présentation de jeu. Et il va s'agir cette fois-ci d'un jeu qui en contient plusieurs. Vous allez vite comprendre, il s'agit de l'application très bien notée dans l'App Store de 101 games, pardon, autant pour moi, en HD. Donc je l'ai commencé il y a à peine une minute et je me suis dit tiens, pourquoi pas la commencer en direct avec mes abonnés. Et ben voilà, on va découvrir ensemble un peu plus en profondeur ce jeu. Et donc là je vais commencer, regardez surtout le score, hein, je suis mené 10 buts à 3 sur un ROK, hein, c'est un match de ROK, et je suis mené 10 buts à 3 et je vous dis, je vais vous avouer quelque chose, voilà, 11-3, je menais 3 buts à 1. Je menais 3 buts à 1 et maintenant je suis complètement surdominé. Et encore, le mot est assez faible. Hein. Voilà, oh là là, 12-3, alors je sais pas ça en combien, ok, non, c'est pas, il n'y a pas de point délimité, voilà, j'ai mis à 4ème point. C'est tout simplement en temps, il reste 15 secondes. Le tactile est plutôt réagi un tout petit peu après, donc du coup ça permet pas des beaux enchaînements, des beaux combos, des belles tactiques à faire. Voilà, bon, j'ai pas dû, je me suis fait littéralement exploser. On va en tester d'autres, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? On va tester un grand classique, il y a des jeux qui se jouent à plusieurs. Hein. Alors on va tester un grand classique, un jeu de fléchettes. D'accord. Oula. Pas terrible. Ouais, j'aime pas trop ce jeu, j'aime pas trop. On va essayer de les enchaîner, je sais pas si c'est ce qu'il faut. Ouais, la cible qui apparaît tardivement. Ok, d'accord. 10 points. À côté, oui. Bon, le jeu est vraiment pas terrible celui-ci. Alors, on va tester un autre. Et oui, je vous rappelle qu'il y en a tout de même 101. Alors, on va voir une petite brochette de sushi. On va aller visiter ça. De quoi il s'agit? Alors, je dois vous avouer que je n'ai strictement rien compris. Alors là, je n'ai strictement rien compris. Alors, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas quelque chose de simple? Ou est-ce que c'est un bug? J'en ai aucune idée, mais... j'essaie vraiment tout. Hein. De haut en bas, de gauche à droite, de rester, d'essayer de pointer quelque chose, hein. D'enfiler un sushi. Je ne peux même de cliquer sur eux, hein. Je ne peux strictement rien faire, donc bon. Alors là, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je suis coincé! Bon, c'est pas grave, on va essayer de chercher une meilleure appli juste après, hein, entre celle-là et les fléchettes. On est tombé sur deux applis pas très un peu de pub, pas très intéressantes. Mais on va en tester un autre et j'espère vraiment qu'il sera meilleur. C'est quoi tous ces petits bonhommes? Chasse aux mouches. Ok, c'est les mouches. D'accord, bon. D'accord, ça c'est le genre de mini-jeu très classique, hein, où je pense qu'il va falloir aligner plusieurs couleurs, je ne sais pas combien. 3. Donc, il va falloir en aligner 3 tout simplement. Donc là il y a l'orange, ça va être parfait. Là, il va y avoir des bleus. Parfait, il va y avoir les verts. Allez nos amis stéphanois. D'accord, ça monte. On va essayer de faire comme ça. C'est parfait. On va essayer de les glisser entre les deux verts là-bas. C'est raté. D'accord, c'est le premier rouge. On va le mettre dans le coin là-bas. On va mettre le deuxième avec lui. Et on va mettre le troisième là-bas. C'est un orange qui suit. Ça va être un vert ensuite. L'orange, on va le mettre là-bas. Le vert, on va le mettre au fond là-bas. Voilà. Le rouge, on va le mettre dans le coin là-bas. Le bleu, on va le mettre ici. Et bah, vous voyez, c'est tout bête. Mais voilà comment ça peut être addictif un jeu. Hein, c'est tout bête. Est-ce que j'aurai le temps d'aller en entier et de le finir ou pas? On n'est pas non plus très pressé. Je suis là pour vous faire découvrir pas mal de jeux, d'accord, mais bon, tant qu'on peut essayer de les découvrir en profondeur. Pourquoi s'en priver? Cette application, petite parenthèse, en tout cas sur l'App Store, elle est totalement gratuite. Hein, et pour l'instant, je n'ai pas vu encore de contenu additionnel, mais elle est totalement gratuite. Voilà, ça c'est bien joué. encore un jaune, et ensuite ça va être un bleu. Donc le jaune on va le mettre là, le blanc on va le mettre là. On va essayer de dégager un peu tout. Et par contre les jaunes et les rouges je n'avais pas beaucoup avant, maintenant du coup je peux pas bien les placer. Voilà, j'ai bien réussi mon coup là aussi. N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire ou peu importe. Moi, comme je vous ai dit dans toutes mes vidéos, je les lis tous. Pour l'instant, je les ai absolument tous lus un par un et j'y réponds partout où il faut. Donc bon, n'hésitez pas à me dire également vos records personnels ou vos pires records. M'envoyer des photos, des vidéos. Je vais faire une vidéo prochainement de tout ce que m'envoient les fans, donc les abonnés. Donc n'hésitez pas, que ce soit du top ou du flop. Envoyez, on est là pour rigoler. Ça reste YouTube et c'est pas non plus une multinationale. Donc même si ça n'est pas loin aujourd'hui. N'hésitez pas à envoyer, il n'y a pas de souci. On va passer un bon moment. Et ça, j'en suis sûr. Le bleu. Hop, le vert, où est-ce que je vais pouvoir le mettre? Voilà, j'ai réussi mon coup, génial. Le bleu, encore, ah bon. Voilà, ça, c'est impeccable. Bon, je pense pas qu'on va aller au bout non plus parce que sinon ça peut durer très longtemps et on va essayer de découvrir un maximum de jeux ensemble. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va aller découvrir d'autres jeux qui, je pense, sont tout aussi intéressants que celui-ci. Pour l'instant, on est tombé sur deux bons jeux et deux mauvais. Maintenant, enfin, ça dépend des avis. Hein. Ça se trouve, il y en a qui ont compris ce que j'ai rien compris au jeu d'avant. Mais alors là, expliquez-moi, je vous en supplie, expliquez-moi parce que je n'ai strictement rien compris. Donc voilà, donc on va s'arrêter pour ce jeu et on va regarder donc un autre. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? D'accord, il va falloir les débloquer les autres. Alors celui-ci, je pense que tout le monde le connaît. Hein. Un jeu rétro. Alors celui-ci, tout le monde le connaît. Hein. Voilà, bon, j'aurais pas fait long feu. Point nécessaire 4000. Pour débloquer un autre mini-jeu, bon. Ok. Bon, j'aurais fait un mort. Là, on va essayer de continuer, allez. Hop, là, on est plutôt bien parti. Allez, ah, ça rappelle quand même des très bons souvenirs, hein, ce genre de jeu là, franchement. Je peux pas passer loin de la défaite là. Là je suis vraiment pas passé loin. Ça commence à tirer de plus en plus. Alors je suis pas loin des 4000, 3600. C'est dommage, j'étais vraiment pas loin des 4000. Pour débloquer un autre mini-jeu, c'est vraiment dommage. Alors on va tester ce petit jeu de voiture à l'ancienne, pour ceux qui connaissent, c'est une espèce de micro-machine j'ai l'impression. Est-ce qu'il va y avoir des obstacles? D'accord. Vous glissez au dos vers l'avant et vous dépassez tout le monde. Hein. Donc les obstacles ça va être les voitures tout simplement. Apparemment vous êtes 1 million sur le circuit parce qu'il n'y a absolument pas de classement. Donc oui, ça va être une course à 1 million de voitures. Pas très compliqué pour l'instant. En plus, ce tactile est assez bon dans ce jeu. Voilà, bon, j'aurais dû partir un peu plus haut. Le tactile est assez bon, donc ça reste tout aussi intéressant. Voilà, on est retombé sur une bonne application. Hein, donc, à part le sushi et les fléchettes, et encore, le sushi peut être bon si je comprends comment jouer. Mais sinon, je suis tombé vraiment que sur des bonnes applications, des bons mini-jeux. Donc ça reste quand même une excellente appli, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 101 applications, mini applications, 101 mini-jeux sur cette application, qui de plus, et je le répète, hein, je pense que c'est quelque chose à répéter, est totalement gratuite. Ah, dommage. Voilà, donc ça reste vraiment quelque chose de très cool, hein, bataille de nourriture. Alors... je n'ai strictement rien compris. D'accord, il faut tout simplement jeter une cerise, mais par contre là, de ce que j'ai vu, le tactile, maintenant que j'ai compris, on va vérifier ça, mais le tactile n'est vraiment pas excellent. Surtout que la cerise tarde énormément, enfin la cerise ou je sais pas, la groseille tarde énormément à venir, donc ouais, mauvais mini-jeu, hein. En plus c'est dommage, mais vraiment là, je suis déçu. Ça va être très certainement un solitaire ou un jeu de cartes, déplacement de forme, un joueur, oula, là ça va être long, donc ça va être la musique qui est déjà là, la bouche, où est-ce qu'elles sont les deux bouches? Elles sont en haut, il y en a même une troisième normalement, c'est ça, la flèche qui va être là, on va avoir la croix qui va être juste ici, la fleur qui va aller ici, le jeu en cœur on va le mettre ici, donc les deux gouttes d'eau qui vont aller juste à côté, ça va pas être compliqué. Alors ça, petit flocon de neige, est-ce qu'il va aller? Il en reste un normalement jaune, un petit flocon comme ça. Là, il va y avoir un truc de chimie qui va aller là. On pourra avoir une autre stars. Encore une forme à placer ici. Des triangles vont pas là. Ah, la réda va aller là, forcément. Est-ce qu'elles sont des grandes formes? On va s'occuper tout de suite des grandes formes, comme ça sera quelque chose de fait. Voilà, ça va être simple, elles sont toutes les quatre vraiment collées. Les petits flocons, ils m'emmerdent. Hein. Les petits flocons. Alors, les triangles jaunes maintenant. Il y en a un autre là, et d'ailleurs, la troisième, il est ici. Voilà, la patte du chien. Elle est tout en bas à gauche, et là, il y en a une autre. On va bien la trouver avec le temps. Donc, la fleur, elle va aller là. Les gouttes d'eau, voilà, donc ça reste quand même amusant, mais c'est pas non plus du top, hein, mais pour une application qui a 101 jeux, franchement, des respects. Si tous les jeux sont si instructifs et bien imaginés comme ça, il y a, franchement, c'est du lourd, c'est du très lourd. C'est pas non plus une révolution, hein, attention, mais c'est sympa, franchement. Je vous rappelle que ça reste gratuit, ça reste un jeu gratuit, donc... Voilà, moi je trouve que pour un jeu gratuit c'est plutôt bien. Alors la deuxième patte de chien, la fleur, où est-ce qu'on va la mettre la fleur? Si c'est une fleur bien sûr. Un autre triangle. Alors on s'y perd un peu. Alors voilà, on va finir avec les triangles. Les fleurs elles vont aller là. La deuxième du coup je l'ai perdue, je l'avais il y a 10 secondes. On va mettre les barres de chimie histoire d'en finir. Voilà, ça c'est fait. Les feuilles des printemps. D'accord, et bon, on était chronométré, bon, bah, j'avais même pas fait attention, voilà. Et donc des dernières applications gratuites, il va rester, il faut 30 000, j'en ai 60 000. Hop, on va déverrouiller l'aquarium, on va voir un peu de quoi il s'agit. Alors j'ai l'impression qu'il va falloir prendre que les bulles, hein, je sais pas s'il faut prendre l'éponge, on va pas la prendre dans le doute. Ok, plus je prends des bulles, plus je grossis, hein, donc. Et les éponges aussi. Oh là, arrête-toi, arrête-toi. Alors, bizarrement, il n'y a plus de bulles, donc est-ce qu'il faut que je prenne les éponges ou pas? On va tester, hein. Non, ça fait rien. Apparemment, prendre des éponges, ça ne fait rien. Voilà, ça va avoir une bulle ici, on va aller chercher la bulle du fond tout là-haut. Voilà, je me suis sacrifié pour la bulle du fond et je crois que j'ai 4000 piles. Et comme par hasard, il y en a fait 14 000 cette fois-ci. C'est dommage. Maillot roulant, d'accord. Et le dernier jeu que j'ai pas testé, je crois, il s'agit de celui-ci, les mouches. Encore un jeu de mouches, et oui. Alors les couleurs, qu'est-ce que ça rapporte les couleurs? J'en sais rien du tout encore. Vraiment très sympa comme jeu, très sympa. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas non plus un truc de fou, hein, mais quand il y en a 101 comme ça, je pense qu'on peut largement se permettre de diversifier un peu comme ça. Secondes. Voilà, vous avez juste à cliquer avec votre doigt en direction des mouches. Hein. Je sais pas du tout s'il est sur le Google Play celui-ci, donc tenez-moi au courant et je me renseigne de mon côté également, et pourquoi pas le mettre dans la description de la vidéo. Parce que je n'ai vraiment aucune idée. 5000 points seulement, il dans le monde 14000, mais ils sont gourmands. Ou alors c'est moi qui est vraiment très très nul. Voilà, donc en plus il est lié à Game Center, donc ça reste une très bonne application, j'espère qu'elle vous a plu. Bah, franchement je la trouve très intéressante, hein. Je suis pas là non plus pour dire que toutes les applications sont intéressantes, hein. Loin de là, je vous ai bien dit que certains mini-jeux, on a le jeu des fléchettes et le jeu du sushi que je n'ai strictement rien compris, qui était pas terrible, mais là je dois vous dire que franchement, pour une application qui contient 101 mini-jeux, 101 mini-jeux en HD et lié au Game Center et gratuit, voilà, que demande le peuple, que demander plus? Voilà, moi je vous conseille vraiment très très vivement cette application, je mets un gros 9 sur 10 et franchement il en faut un tout petit peu plus des applications comme celle-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était Apple Games et moi franchement ça m'a vraiment plu de faire encore une vidéo avec vous, c'est que le tout début d'une très très longue série sur la chaîne et franchement je vous remercie parce que tout ce qui arrive sur la chaîne Apple Games c'est uniquement grâce à vous, donc un très très grand merci. Je rappelle tout simplement que Apple Games reste... Alors elle est la première chaîne francophone en termes d'application, d'appli gaming comme on appelle ça. Et alors il y a DoReKing for iPhone, vraiment quelqu'un en plus que j'apprécie vraiment beaucoup, hein, qui fait des très belles vidéos, mais lui il est uniquement spécialisé pour le moment sur Clash of Clans. Alors moi déjà j'ai vraiment beaucoup diversifié, ça fait maintenant... Alors août, septembre, ça fait bien ouais, 4 mois que ma chaîne existe, mais j'ai déjà beaucoup diversifié en une trentaine de vidéos. Et lui il est encore sur Clash of Clans, c'est pour ça qu'en termes d'appli gaming je suis... donc déjà le premier, ça je le resterai puisque l'histoire ne se change pas, et pour le moment je reste également en statistique la première chaîne YouTube d'appli gaming francophone, donc tout ça c'est pas grâce à moi, enfin, peut-être un tout petit peu, mais c'est surtout grâce à vous et je vous remercie du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Salut tout le monde, ciao ciao et merci.